Allez, on y va. C'est une sacrée soirée, on va dire, souvenir en prémisse de ce nouvel album. Nouvel album que vos fans sont venus découvrir. Un nouvel album qu'ils ont aussi financé. Oui, on est passé par une boîte de crowdfunding qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang. Et il y a eu des milliers et des milliers de gens qui nous ont aidés, encouragés, etc. Et 440 d'entre eux ont mis de l'argent. C'était super parce qu'en fait, au bout de 11 heures, on avait réuni 70% de la somme que je demandais. Au bout de 4 jours, la somme était réunie. Et à la fin, on est arrivé à la totalité ça représente presque 48 000 euros. Quoi. Vous avez même dépassé les prévisions, on va dire. Ah oui, on avait demandé 30 000, on a eu 48 000. Heureusement qu'on les a eus parce qu'avec 30 000, je ne le faisais pas l'album. Je n'y arrivais pas. Et là, on y est arrivé. Bienvenue au paradis, c'était un petit peu aussi le paradis ce soir pour tous les fans qui sont venus jouer avec vous, parce que c'était une soirée, on va dire, un bœuf, presque ça. Hein. Oui, c'est en fait on a commencé par faire écouter l'album, le nouvel album, donc Bienvenue au paradis, et puis les gens ont pu voir les photos qui ont été prises par Lo Bricard, Catherine Bedaert et Scarlett Page, qui ont été prises à Londres et à Paris pendant les enregistrements, et puis à la fin j'ai réuni avec derrière un certain nombre de musiciens professionnels, j'ai réuni quelques guitaristes qui ont déclaré haut et fort qu'ils avaient appris, à jouer de la guitare sur mes chansons. Donc j'ai voulu leur donner la possibilité de jouer avec moi sur scène et moi la possibilité de les rencontrer et de les découvrir musicalement. Alors eux se sont éclatés, est-ce que vous vous êtes éclaté à jouer avec eux? Je me suis absolument éclaté, non seulement eux, mais j'ai des amis qui sont venus, Philippe le chanteur de Montparnasse, qui est un très bon ami, et puis le public était tellement, enthousiaste, heureux d'être là, c'était émouvant, c'est très émouvant. Le soleil qui plonge à la fin du jour s'élance en réfléchissant. Pour parler de ce nouvel album, mais sur scène c'était des chansons les plus connues. On a les 45 tours, je les ai retrouvés, je voulais juste vous faire une petite surprise en vous montrant ça. J'ai acheté ça quand j'étais gamin. Ouais. Voilà. En fait, ce nouvel album, pour le jouer sur scène, ça nécessite quand même une préparation assez sérieuse, parce que c'est un album dans lequel les arrangements sont assez complexes, même si ça paraît simple, globalement, c'est qu'il y a certains sons qui nécessitent plusieurs instruments superposés, etc., etc. Et j'avais vraiment pas le temps de leur montrer des nouvelles chansons, quoi. Donc j'ai préféré connaître le jeu, jouer des choses qu'eux considèrent comme des classiques, qui sont peut-être
peut-être les 7 ou 8 ou 10 chansons qu'ils préfèrent dans mon répertoire. Voilà, donc j'ai une idée assez claire de ce qu'ils préfèrent parce qu'ils me l'ont dit depuis longtemps. Ils vous suivent sur les réseaux sociaux. Oui, et puis c'était très étrange parce qu'en fait c'était presque un karaoké pour moi dans lequel je chantais mes propres chansons. C'est des chansons que j'ai pas chantées depuis plus de 20-25 ans, donc je me souvenais absolument pas des paroles. J'avais un petit écran à côté de moi et voilà. Mais je leur ai dit que c'était une sorte de karaoké convivial, amical, et l'essentiel c'était de leur faire plaisir, et au passage je me suis fait plaisir aussi. Bientôt. J'espère, ça dépend comme toujours de l'éventuel succès de l'album, parce que les tourneurs sont des gens de métier mais qui doivent faire tourner des structures, donc pour qu'ils investissent ce qu'il faut investir pour que la présentation du nouvel album soit une chose de qualité, il faut qu'il soit conforté par le succès d'un album. Alors on verra si l'album est un succès, voilà. On viendra sur scène le défendre. Et pour une fois, je pourrai le faire avec les gens qui l'ont enregistré. Car aussi bien les deux, le bassiste et le batteur qui sont anglais, que le guitariste et le clavier qui sont français, aussi bien les uns que les autres ont envie de le défendre sur scène. On le verra dans le making-of, vous verrez qu'à quel point ils aiment cet album et la musique qu'on essaie de défendre. En tout cas, merci beaucoup, et puis on espère donc vous voir ici, de retour dans notre région. D'autant que j'ai donné mon premier concert à Fâche Thuménil il y a 35 ans, la première fois que je montais sur une scène. Voilà. C'est la date de ces 45 tours, voilà, que j'ai retrouvé à la maison. Merci beaucoup, Jean-Patrick Capdevielle. Merci à vous. Et bonne route alors. Merci. À bientôt, au revoir. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt gagner la ville. Et dans le légère, depuis trop longtemps, devant la crise, ça chère. Bandé, les yeux bandés, 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 les ye